Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Une nouvelle vidéo placée sous le jour 100, le centième jour, en mode hardcore. Et vous allez voir les quelques évolutions importantes qu'il y a eu dans la partie. Dans cette nouvelle partie commencée il y a quelques jours. Avec, vous pouvez l'entendre et le voir autour de moi, une meute qui commence à être comme il faut. Et j'ai fait exprès de venir par ici. Un portail qui est prêt à être activé. L'idée c'était de vous attendre. Alors les animaux si vous pouviez éviter. Voilà, donc je viens. Hop. Alors je suis pas du tout équipé pour. J'entends des zombies, mais non. L'idée donc c'est de l'activer, éventuellement de passer, mais juste de faire un aller-retour. Allez, hop, on tente le coup. On regarde vite fait ce qu'il y a de l'autre côté. Mais vite fait, hein, parce que j'ai pas d'armure en or, aucun équipement, donc s'il y a un piglin, quand je dis un, je suis gentil, il pourrait y en avoir plus. Alors, ici il n'y a rien, ici il n'y a rien. Et je déteste cet environnement-là. Voilà, c'est passé, c'est fait. Lui, on va le garder, le briquet, même si dans l'absolu, tout de suite, il ne va pas nous être utile. Voilà, alors au niveau de l'équipement, non, c'était pas ça que je voulais faire non plus. On recommence, hein. J'ai pas évolué de trop au niveau de mon équipement ici. Juste une super pioche avec l'effet raccommodage. Une efficacité 4, fortune 3, ce qui m'a permis de disposer de pas mal de choses. Je vais pas faire le grand tour de ce que j'ai découvert, mais vous vous souveniez certainement qu'il y avait donc mon premier village, un deuxième village par là-bas, un village en mode prairie hein, comme l'autre. Et puis, je suis parti. Hop, je suis encore que à 12. Si je veux faire évoluer encore un de mes villageois, le tisserand, il faut que je lui ramène de la laine blanche. Je veux pas que je laisse les loups ici. Hop, donc on va retourner au village tranquillement. Mais ce que j'aimerais pouvoir faire avec vous dans cet épisode, eh bien, c'est une descente. Ici, dans la chambre d'essai, que l'on avait repéré il y a déjà un bon bout de temps, grâce à la carte échangée avec le cartographe. Hop. Alors, on va rapidement aller au village. Et on revient ici ensuite, parce que je crois qu'ici, j'ai pas laissé de... Non, il n'y a pas d'équipement. Il faudrait que je laisse un coffre ici. Ce serait pas plus mal. Juste pour information, à côté du deuxième village qui est par là-bas, juste derrière cette colline, je suis tombé sur un mineshaft très 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 intéressant. Alors pas autant en tant que mineshaft, mais en fait il y avait beaucoup beaucoup de fer. Et donc j'ai vraiment pu faire évoluer une partie des villageois du deuxième village. Donc maintenant il y a deux villages en développement. Même si celui-là, le premier, commence à être un petit peu délaissé pour passer plus de temps sur le deuxième là-bas. Ici, ce village, il a toujours, vous le voyez, son élevage intensif de cochons, de vaches. Lui, il est venu, il nous a laissé un petit peu de matériel, on va dire. Voilà, hein, donc ici, il y a ce qu'il faut pour... transformer. Ah tiens, il y a un villageois qui a pas de boulot. Je vous montre rapidement l'état des stocks. Il y a du diamant, il y a du bloc de fer, il y a des livres parés à être enchantés, mais c'est surtout ici qu'il y a un max de livres. Hop, voilà, 37 livres ici, de quoi du cuir en veux-tu, en voilà. Donc voilà, il y a quand même pas mal d'équipements.
J'ai trouvé une écaille de tatou. Alors ça, c'est en faisant un grand tour comme ça pour revenir jusqu'au portail. Donc, mais une seule écaille, donc bof. Ici, vous allez pouvoir le voir, il y a des selles et des laisses. Il y a quatre ânes, mais il n'y en a que un que j'utilise en fait, donc ça sert à rien d'en avoir autant. Il y a un cheval blanc par là-bas que j'ai laissé dans un coin parce que j'ai pas fini de le dompter. On n'est pas encore amis, tous les deux. Et donc le troisième village, il se situe. Alors c'est bien parce qu'il y a ces rochers là dans le ciel. Et ben le troisième village, il se situe là et c'est un village dans le désert. Et dans ce désert là, ben j'ai déjà repéré deux autres villages. Voilà. Alors le problème des villages dans le désert, c'est que il faut y aller avec du matériel parce qu'il n'y a pas de bois. C'est très difficile de trouver. Qu'est-ce que. Ah non, je croyais avoir vu quelque chose. De trouver quelque chose qui puisse nous servir pour faire des échanges. Donc à part les paysans, il n'y a pas grand-chose, quoi. Voilà. Alors, j'allais partir me coucher comme une journée normale, mais non, non, non. C'est le centième jour, donc pour ce centième jour, on va tenter de descendre. Est-ce que j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela? Non, pas du tout. Ici non plus, je voulais juste prendre du bois et j'en ai pas, j'en ai plus. J'ai rien du tout, j'ai pas de bois. J'ai même pas de quoi me faire. Alors, en voilà un. Et il est tombé à côté. Celui-là aussi. Non, c'est bon, je l'ai pris. Voilà, on va pouvoir se faire un petit coffre et partir avec la meute. Direction la chambre d'essai. Alors la meute n'est pas protégée, hein. La dernière fois que j'étais descendu dans une chambre d'essai. Oh, j'ai un loup qui est en mauvais état. Je vais leur donner à manger tout à l'heure, mais pour l'instant, c'est pas le moment de faire une pause. Hop. Ça spawn en direct. Et le but du jeu, c'est pas de se battre avec les mobs ici, mais vraiment de descendre dans la chambre d'essai, voir à quoi elle ressemble. Allez, hop, c'est parti. Ça fait un peu mal au ventre quand on descend trop vite. Donc la chambre d'essai était bien au bon emplacement indiqué par la carte. Et il a juste fallu creuser. Creuser, creuser, creuser pour descendre. On entend les squelettes. Mais je suis pas venu pour ça. Voilà, on y est arrivé. Tout en bas. Et donc normalement, avec les nouveautés de ces dernières snapshots. Ça je vais garder, ça je vais garder, ça potentiellement ça peut toujours servir, ça par contre non, ça peut-être pas, ça non plus, ça non plus, ça j'imagine que si je suis empoisonné ça peut peut-être servir. Allez, on part comme ça c'est pour les animaux, et on va commencer tout de suite par faire un trou, et voilà, mise à l'épreuve, le premier. Progrès réalisé, récupéré en rentrant par ici. Alors, on a ici. Est-ce que c'est un spawner ou est-ce que c'est un coffre? Je ne sais pas. Alors, ce qui est très bien, c'est qu'on est tout en hauteur. Et on n'a qu'un seul point de descente, c'est celui-là. Je vais quand même regarder. Oh, les loups qui se cassent la figure. Ok. J'avais envie de m'approcher de là-bas, mais potentiellement,
Alors là, les loups et les chats sont en mesure de me pousser, de me faire tomber. Donc, ce qui est assez désagréable quand on essaye d'avancer tranquillement dans le dans un truc comme ça. Pardon, le loup, je suis désolé. Allez, on redescend ici. Ça s'allume pas, hein, on dirait pas. Donc ce n'est pas un spawner. Ou alors il se déclenche vraiment plus proche que ça. Je prends mon temps pour descendre parce que je ne sais pas du tout ce qui m'attend. Oh! Même si j'entends déjà un zombie quelque part. Voilà, là on a un déclencheur là. Et vu le bruit. Ok. Du slime pour commencer, ça va. C'est plutôt cool. Je suis nul avec les slimes. Allez, hop, hop, hop. C'est tout bon pour ici, il n'y a rien qui arrive derrière. Le petit slime caché là. Ah mais j'arrive pas! Voilà, et le dernier, il est là. On a récupéré quelques éléments, on va tout de suite... Voilà, ça c'est le Breeze. Avec son attaque. Ah, j'avais jamais vu le Breeze avec. Super. Le Breeze avec les effets du shaders. C'est assez violent. Ses yeux lumineux là. Alors. On a récupéré une clé. Alors je déteste ça là parce que là ça va blesser les loups. Voilà, on l'enlève partout autour. Voilà, pour éviter que mes loups ne se prennent des blessures bêtes et méchantes. Voilà, donc ça c'est fait. Ici. Qu'est-ce que ça peut déclencher? On appuie dessus. Ils sont là-bas. Hop, punaise. Allez, on se barre. Donc, je viens de perdre. Voilà, ceci. Bon, le poison est pas violent, violent. C'est pas extrême, mais ça surprend. Et donc, on reconnaît là donc le squelette des marais. Que l'on avait vu dans une des vidéos. Ah, ils sont pas, ils tiennent pas beaucoup. Mais ah, ils descendent. Ouais, si, si, bah, si, ils sont descendus tout à l'heure. Mais il fait rien là, il bouge pas. Allez. Ouille. On va pouvoir monter, oui, ici par là. Et donc là, on a récupéré quoi? On a récupéré une pomme de terre cuite, oui. Ça, c'était quoi? Une potion de rapidité. Ah, j'ai jamais essayé ça. Est-ce que ça va m'être utile maintenant? Je ne crois pas. Donc, on va se la garder dans un coin. Intéressant, c'est. Ouais, y a pas de petit profit avec moi. Hop là. Donc là, on a déclenché. J'ai cru entendre le deuxième.
Il y a celui-là qu'on n'a pas déclenché. Et on ne le déclenchera pas parce qu'il a besoin voilà, la clé du succès. Fiole de miel, diamant. Quoi, diamant, c'est tout. Poussez-vous les animaux. Qu'est-ce qu'il y a en violet? Ah, je ne vois pas là. Oh, y a... oh mais sérieux. Comment j'ai pu tomber comme ça? Attends, c'est quoi ce bazar là? Je suis tombé par où là? Alors là, il faudrait m'expliquer le bug qu'il y a eu là, parce que techniquement, je pouvais pas tomber là. Une hache, waouh, hache en fer. Bon, allez, c'est bon. Donc cette première pièce, c'est fait. Et voilà, une pièce validée. Certainement pas la plus compliquée, hein, bien sûr. Et je fais n'importe quoi, j'ai en train de tout péter. Alors que je pourrais passer par le chemin classique, mais non. Voilà, moi je suis arrivé par là. Et je vais pouvoir me débarrasser d'une partie. Non, ça je garde pour mes animaux. Donc la fiole de rapidité, pourquoi pas. Hop, les bâtons de brise, très intéressant. Ça c'est inutile. Flèche de poison, pour l'instant j'en ai pas besoin. Pomme dorée non plus. Le diamant non plus. Le miel, je vois pas pourquoi. Voilà, on va garder ça. Et on remet au maximum de vie. Alors, ils veulent repartir les loups. Non, 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 on repart par là. Allez, toi. Hop. Ah oui, il y en a qui ont pris cher quand même, ouais. Toi, c'est bon. Ah, déjà plus que 4. Piou. Toi, ça y est, c'est bon. Toi, c'est bon. Toi, t'es à donf. Allez, on y va. Alors, donc ici, on peut fouiller. Et on peut tout casser. Non, je l'ai pas cassé, là. Donc, c'est bon. C'est pour ça, quand on le casse à la... Voilà. Ça, c'est sympa. Bon, par contre, la pioche en pierre déjà abîmée, ça fait radin. Hop. C'était quoi? Ah, de l'améthyste, d'accord. Je prends, je prends, je prends. Donc ça, on a fait... Oh, purée. Donc là, il y a d'autres choses, d'autres éléments. Pour l'instant, ça, on va laisser. Toujours envie de les garder avec moi, parce que je suis pas sûr de revenir par ici, mais si, normalement, on reviendra. Donc là, si je me trompe pas, on va avoir... Voilà, ils sont en train de spawner déjà. Ah, c'est de la neige. Ils tombent dans la neige et ils sont coincés là. Oh non, mais je tire sur le chat. Ça y est, c'est validé.
Ouais, je m'en veux d'avoir tiré dessus. Par contre, il n'y a que lui là. Alors, c'est quoi là-bas? Là, il y a des pièges. Et le premier piège, c'est ça. Parce que si on se met là-dedans, déjà, on bouge pas. Et deuxièmement, on est mal. Et ce qu'on voit en train de bouger là, c'est parce qu'il doit y avoir les restes. Voilà. On n'avance pas du tout là-dedans. Hop. Ah d'accord, même si c'est pas des restes complets. Et hop, ça s'est récupéré. Et ça serait là-haut qu'il faudrait aller récupérer. Oh non! Ouais, on va pas rester ici. Hein. Et par contre, c'est là-haut qu'il faut aller, quoi. Il est là, hein, le truc. Ok. Pousse-toi là. Qu'est-ce qui se passe? Il y a eu un deuxième spawn. Ah ouais, il y a un deuxième spawn là. Oh punaise. Oh, il y en a un troisième là-bas, j'avais pas vu. C'est quoi ça? Distributeur de seau d'eau. Ok. Donc là, charge devant, ça c'est sympa. Et il y a eu quoi d'autre? C'est tout? Un peu décevant. Est-ce qu'on va aller chercher l'autre là-bas? Bien sûr que oui. Parce que les loups vont faire le taf. Oh, mais j'arrive même pas à les baffer, moi. Qu'est-ce qu'on a récupéré? À manger pour eux. Ok. Donc ça c'est validé, je préfère prendre ça moi que ça. Ça j'aime bien aussi. Hop là. En fait, je pourrais vider les trucs d'eau et puis mettre autre chose à la place. Mais bon. Bon, et ben super. Alors, qu'est-ce qu'on ne prend pas? On garde pas ça et on embarque ça, par exemple. Même si ça, on va pouvoir tout de suite leur donner aux animaux. Ah, lui, il n'a peut-être pas besoin. Alors, ici, on a fait ça, ça. On redescend. Ah non, je l'ai pas vu là. D'accord. D'accord. Pas mal. On continue. Ça, on a déjà eu. Ça, des flèches, on connaît. Ça, on a eu aussi. Oui, ça, on a été tout à l'heure. Hein. On est d'accord. Hop. Oh, sympa.
Ah ouais, alors quoi? Mais qui c'est qui tire? Il y a... C'est quoi qui se déclenche là? Ah, c'est peut-être ici. Ok. Alors, donc oui, ici, ça, j'en avais pas encore. Poussez-vous. Des échafaudages. Je prends. Ça, j'adore. Bon, ben voilà, là, on a fait le tour d'ici. Qu'est-ce que c'est que ça? Slime, ok. Ça va. Le slime qui s'est foutu sur les roches de lave et qui s'est bousillé tout seul, pas mal. Bah oui, mais pff, en fait, il faudrait à chaque fois remonter, se vider. Parce que là, j'ai plein de... Ah, on se retrouve avec le breeze de tout à l'heure. Mais c'est pas le même parce que j'ai tout cassé déjà. Donc ça ressemble à la même maison. Non, il n'y avait pas ça. Waouh, les effets sont géniaux quand même. Hop! Alors, où es-tu? Je vois même pas où il est. Oh, mais je commence à douiller, moi. Ah, les animaux, ils ont pas envie d'aller se battre, hein. T'es où? Voilà. Bâton de brise quand même ici. Que je vais récupérer par rapport à ça. Hein. J'entends un noyer, donc c'est bizarre. Au secours, non, c'est pas ça que je veux, c'est cette clé, oui. Du poulet. Ok. Ah bah c'est pas ça que je voulais faire moi. Oui, bien sûr, parce que c'est pas du tout là qu'il fallait chercher l'info. Aïe aïe aïe. Allez. Ouais, mais bon. Je suis en mode. Rien à faire. Alors, il y en a un ici. Je vois qu'il y en a un autre là-bas. Non. Ça, c'est encore un spawner. Ok. Mais je pourrais réouvrir celui-là ou il y en a un autre là-bas. Qu'est-ce qui se passe? Ça a ouvert quoi? Ça a ouvert rien du tout? Aïe!
C'est pas celui-là que ça a ouvert. C'est pas le... C'est pas la bonne clé. Donc la clé que j'ai, c'est une clé pour le truc classique, on va dire. Et celui-là, voilà. Il s'est ouvert tout seul, il n'a pas eu besoin de clé, lui. Alors, c'est quoi? Régénération. Ouais, c'est pas mal ça. Pas mal du tout. Et donc, par contre, la méga qui est là, eh ben, j'arrive pas à l'ouvrir avec ce que j'ai. On est bien d'accord. La clé des épreuves, c'est pas la clé de la truc funeste, parce que ça, c'est un coffre funeste. Donc il faudrait que je trouve un autre que celui-là. Bon, allez. Ça fait déjà un bout de temps que je suis par là. Qu'est-ce qu'on a ici? Ouais, du miel, ça. Ok. Tout à l'heure, c'est toi qu'on entendait, je ne sais pas. Les zombies qu'on entend toujours, mais que je ne vois pas. Donc là, par contre, tout à l'heure, j'ai l'impression qu'on avait réussi à ouvrir celle-là. Ah non, c'était peut-être celle-là, et celle-là n'est toujours pas ouverte non plus. Ok. Oui, celle-ci avait été ouverte. Bien, et ben voilà, un bon petit tour là-dedans. Maintenant, il va falloir que je retrouve la sortie, et mon sens de l'orientation est complètement à côté de la plaque aujourd'hui, mais si on était arrivé par là, j'ai dû laisser des choses. Oui, bah je t'entends. Hop. On était arrivé. Je suis convaincu d'être arrivé par là, mais ici. Voilà. On va pouvoir récupérer peut-être rien du tout. Peut-être être obligé de faire deux tours. Oui, il n'y a rien qui vient avec moi. Eh ben, je vais faire deux tours. Mais je ne vais pas vous obliger à regarder ça. Voilà, ben, une première descente dans cette chambre des épreuves. Pas mal du tout. Je vais laisser la clé ici. Parce que c'est pas la peine que je me balade avec. Ouais, bien sûr, si le chat veut bien laisser sa place. Ben, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures.